à cette story. Yo, bien ou bof, j'espère que vous allez bien les potos. Depuis hier soir, on a vécu ensemble le tirage au sort de la Ligue des Champions et malgré ça, je vous fais quand même une petite vidéo teviève pour vous donner mon opinion sur le groupe A, le groupe de Paris pour la Ligue des Champions. Alors comme vous le savez, Paris se retrouve dans le groupe A avec les Belges de Bruges, Leipzig et Manchester City, comme par hasard. Bon alors, en ce qui concerne Bruges, c'est une équipe qui est largement à notre portée, qu'on a déjà rencontrée, donc pas de problème de ce côté-là, ça devrait bien se passer. Ensuite, Leipzig, eux par contre, je commence à me demander s'ils ont pas un abonnement avec nous, parce que là, ça fait plusieurs fois qu'on les rencontre en très peu de temps, 3 fois je crois. Donc que ce soit Bruges ou Leipzig, au final, ces deux équipes-là, ils veulent vraiment pas nous lâcher en fait. Et bien évidemment, on tire toujours les problèmes. L'équipe qui nous a sorti, Manchester City, ça, c'est encore l'histoire qui se répète. Je commence sérieusement à douter du tirage au sort parce que on n'a jamais d'équipe comme la Juve, l'Atletico. En plus, quand il y a une merdouille, bah tu peux être sûr que c'est pour Paname. Donc au final, les poules compliquées, c'est devenu la routine pour Paris. En plus, on s'en est toujours bien sorti et c'est le contraire qui aurait été étonnant justement. Mais poto, pas d'inquiétude, l'équipe à battre c'est nous. Donc on vise la première place comme d'habitude. Et très honnêtement, on a largement les arguments pour le faire. Mais dans cette vidéo, je vais pas trop rigoler, je vais te parler sérieusement. On sait que dans le foot tout peut arriver, donc il faut évidemment sous-estimer personne. Voilà, ça c'est dit, comme ça ils vont pas me saouler dans l'espace commentaire. Quoique, non en fait c'est peine perdue, vous allez quand même me saouler dans l'espace commentaire. Mais je m'en plains pas, au contraire. Donc n'hésitez pas à commenter, ça fait zizir, ne vous inquiétez pas. Donc, comme je te disais, ce groupe est à notre portée, le groupe est à bord, mais à condition de ne pas jouer au con évidemment. Mais pas d'inquiétude, je fais confiance à nos Marvel. Au pire, on va sûrement batailler avec City pour la première place, ça va nous préparer pour les phases finales et on a une revanche à prendre surtout. Bon alors, je peux comprendre que le tirage au sort puisse sembler douteux aux yeux de certains, surtout quand on voit ce que le Real tire à chaque fois. Mais bon, je vais pas commencer à faire le complotiste, mais à quoi bon chialer? Moi personnellement, vous m'avez plusieurs fois entendu dire dans mes vidéos que cette année c'était la bonne et que j'étais confiant, donc ça serait pas logique de chialer à la première grosse équipe qu'on rencontre. Quand je vois un tirage au sort compliqué ou que comme par hasard on rencontre le club qui nous a sorti de la précédente Ligue des Champions, je me dis pas de problème, on entame juste la routine comme d'habitude. Et puis je vais t'épargner cette phrase que tu connais sûrement déjà, pour être le meilleur faut battre les meilleurs, donc on va pas pleurnicher pour rien, il y a 2 places à prendre et c'est les autres qui ont peur de nous puisque c'est Paris l'équipe à battre. Et autre chose qui m'a fait rire sur les réseaux sociaux, c'est les rumeurs comme quoi que Ronaldo va peut-être signer à City. Bon évidemment là on est en plein mercato, donc les rumeurs changent d'une semaine à l'autre. La semaine dernière Ronaldo est devait venir à Paris, cette semaine c'est City, la semaine prochaine ça sera peut-être un autre club. Hein, en ce moment les rumeurs changent au gré du vent, surtout en ce qui concerne Ronaldo. Bon, après, concernant cette rumeur, je ne dis pas que c'est impossible, mais ce que je trouve complètement dingue, c'est que les gens pensent qu'il va signer pour un match. Vous pensez vraiment que Ronaldo va modifier sa carrière en fonction d'une rencontre de poule en plus? Mais non les gars, c'est pas sérieux. Non, vraiment, tout ça pour moi c'est des foutaises. Ensuite, concernant les autres groupes, bah il n'y a aucun groupe easy, clairement, ils sont tous relevés, c'est vraiment particulier. Particulièrement dense cette année et ça, ça nous promet de très belles soirées sur le AZ Canapé Magique. Des belles soirées européennes dès les matchs de poule. Non, cette année c'est particulier poto, je le sens, cette année ça va être spécial. Je sais pas ce que vous en pensez vous, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, mais moi je pense que c'est un très beau tirage finalement. Bon après je vais me répéter, mais Bruges et Leipzig, ça fait 2 ans qu'on se les coltine et ça c'est chiant. Mais bon, on peut rien y faire si l'UEFA pense que Paris a dormi dans le lit de sa mère. Bon après, à mon avis, les fans de Leipzig, City et Bruges, ils doivent pas être très contents de nous avoir dans leur groupe non plus. Bon voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce tirage au sort. Je suis quand même content qu'on ait une petite revanche en perspective, ça fait zizir. Et puis hey, c'est pas pour rien que sur le maillot de cette année j'ai mis le patch de la Ligue des Champions. On y croit les potos. Rendez-vous très prochainement sur le AZ Canapé Magique. Je suis déjà sexité comme ma barbe 14 à sardine. On connaît les bails. Salut.